Mesdames et messieurs, il est temps de passer aux choses sérieuses avec un Titius. All right, I'm going to show you guys. I'm in Pro League. Me, I'm Mary. Oh, Mary, really? Comment c'est quoi? Je dois faire quoi en fait? C'est la première fois que je fais un Titius. Il faut que tu me guides, hein. Moi je sais pas. Ok, alors. Normalement, les personnes t'ont déjà en ami. Ah ouais? Faut juste ça, je sais faire. Les conflits, je sais faire ça. Partie personnalisée, c'est ça? Voilà, oui. Bingo. En ligne. Oh, bien évidemment. Créer un duel. Mais non, je l'ai créé tout à l'heure, pourquoi je l'ai plus là? Ah, sur le lot de compte. Oh la boulette. Putain, le mec, soyez organisé un peu, les gars. Putain. Jazal. Jazal, qui a 600 de ping. Ouais, c'est parti. Alors, la nomade. Alors, Jazal décide de rester dans le bac. Why not? L'autre s'est bouffé un C4, ça l'a défoncé. Pourquoi il met ça là, lui? Pourquoi il fait ça? Mais va aider tes potes. Ils communiquent entre eux ou pas? Comment ça se passe? Allez, Jazal. Allez, Jazal. Je crois en toi. Regarde, il y en a un contact. Est-ce qu'il a droné? Je ne sais pas. Il va prendre le diffuse. Il va tenter une plante. C'est pas con parce qu'il avait mis son air jab. Donc, ça se trouve, le air jab va le sauver. Ah, il fait un fake. Pourquoi? Non, tu vas où? Tu vas. Il a. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce. Mais remets-toi derrière, tu vas te faire défoncer là. Bon bah voilà, il a zéro. Hein. Eh, je pense que c'est réglé. Hein. C'est bon, vous avez fini de voter? Ah ouais, vous lui avez tous mis un. Un 1. Ok. Bah moi je lui mets un 0. Personnellement, j'ai trouvé qu'il a servi à rien. Il a un gros 0. Voilà, un 0. Un 0 pointé. Allez, c'est parti, on regarde contact. Regarde contact, regarde comment on analyse la situation. Alors, contact, qui décide de prendre une petite ligne serrée, mais qui n'a pas fait trou, donc il ne peut pas voir ce qu'il y a derrière, c'est embêtant. Alors, il se met là, d'accord. Moi, j'aime bien la plante qu'il, la pose qu'il a, mais il aurait dû faire un trou de rotation pour voir la fenêtre VIP et couvrir le VIP. Là, ça sert à rien. Et il décide, au contraire, d'aller mourir. Voilà, contact. Tu pues la merde, désinstalle le jeu. Tu ne sers à rien. Voilà, vous pouvez lui donner une note, évidemment. J'adore le Titius. Je te dis tout de suite, je suis fan. Liling, liling. Voilà, un, le mec a 1. Vous avez voté en majorité à 1. Et je suis assez d'accord avec vous. Voli qui a pris Maestro. Hein. Voyons voir où est-ce qu'il place ses Maestro. J'ai trop envie de voir où il place ses Maestro. Ok, il en met une là. Et la première, il l'a mise où? Celle-là, je l'aurais pas mise là exactement. Je l'aurais mise sur le côté pour pouvoir voir tout, avoir tout l'angle. Enfin, moi, c'est ce que j'aurais fait. Parce que moi, je suis quand même un mec malin. C'est pas mal là ce qu'il fait le maestro, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Parce qu'il est pas mort tout de suite. Oh là là, oh là là, oh là là. Ça plante derrière. Pas mal, des petits pré-shoots. Bon, il donne sa position. Il a l'information que c'est sorti, c'est pas mal ce qu'il fait. Et elle est où le, il est où son mate là? Ah, c'est le clutch. C'est le clutch de Wally. Aïe aïe aïe, le pauvre Wally. Il va tenter la sortie, why not? C'est bien, c'est propre ça. Alors franchement, lui, il aurait une bonne note. Attendez, je l'écris à l'envers. Je l'écris à l'envers. Il a la note de... 51. Mais je voulais mettre 15. Mais après, je me suis rappelé que c'est sur 20. Sur 10. Donc déjà, dans tous les cas, ça ne fonctionne pas. Quoi. Bon, en gros, je lui mets une bonne note. Vous lui mettez combien? J'ai envie de savoir combien vous lui mettez. Alors franchement, il a bien... Ouais, je lui mets un 8. Je lui mets un 7. Un 7. 7, c'est bien. Ok, c'est fini le vote. Vous avez donné 7. Comme quoi? La Valkyrie, ok, qui met sa petite Valkyrie à l'extérieur. Et qui... Ah, il y a eu un kill déjà. Zexy. Ah bah Valkyrie qui s'est fait sécher la gueule. On va aller sur parcours pour la peine. Parcours, qu'est-ce qu'il va nous faire parcours? Ah, il fait un trou là-dedans. Là. T'aurais pris Rook, tu vois, t'avais une ligne. Alors déjà, je lui mets moins 4 parce qu'il a pas pris Rook. Donc ça, c'est chiant. Moins 4, t'as pas pris Rook. Non, je peux pas faire ça. Nice! A priori, il a plus les informations qui sont plus porte-main. Parce que la preuve, il regarde toujours porte-main. Y aurait-il un problème de communication? Je ne sais pas. Allez, faut donner les infos là. Les infos, ça doit te dire où sont les mecs. Parce que le, là, on voit que le doc surveille toujours un endroit où il n'y a plus personne. Ça veut dire que les autres n'ont pas donné l'info. Ça plante? Bah oui. Bah oui, bah. Oui, ça plante. Bah oui. Oh, dommage. Il prend pas la tête l'autre. Ah, je suis un peu embêté parce que dans l'ensemble c'était quand même pas mal, mais en même temps c'était pas ouf. Allez-y, votez. Moi j'ai ma note. Moi j'ai déjà marqué ma note. Ouais.
Ouais, ça va, j'ai compris. C'est fini le vote. Vous avez donné combien? Finish pool. Vous avez donné la note de 5. Et eh ben, c'est très intéressant parce que c'est à peu près la note que j'ai donnée. 5,5. Voilà. C'est parti. Racal, que va nous faire le racal? Ok, il va s'introduire, mais est-ce qu'il a droné? Il a pas droné. Il pré-shoot. Pourquoi il pré-shoot? Il a l'info qu'il y a quelqu'un? Ouais, mais ça fallait le faire avant de gaspiller des balles, mec. Tu vois, là il fait l'erreur que je fais, moi. C'est-à-dire qu'il drone jusqu'à là-bas, mais il a pas. Il aurait dû droner juste la kitchen et rentrer. Il en sait rien ce qui s'est passé pendant qu'il dronait dans le Sunrise dans la kitchen. Donc ça se trouve, il y a un adversaire qui aurait pu rentrer dans la kitchen et se faire défoncer la boulette. Alors ça, c'est pas mal de jouer le. Dommage. Allez, allez, vas-y, poulet. Allez, vas-y, poulet. Ah, dommage. Dommage. Allez, tu scannes les pas. C'est bien ça. C'est ton taf. Tu sais qu'il est sur le bébé, donc essaye de scanner d'autres pas. Moi, c'est ce que je fais avec Racal. Quand je vois qu'il y en a un qui est sur BP, qu'on a l'info qu'il est sur le BP. C'est bien ça, poulet. Oh, il a pas d'aim. On n'a pas précisé ça. Il a pas d'aim. Il a fait le strict minimum d'un racal. Hein. Oh, Estelle, mais si je m'écoutais, je mettrais que des zéros aussi. Il se prend un 3. Voilà, il a 3. Vous lui avez donné? Attends, finish pool. 3. Bah voilà, on est assez d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait le smoke là? Qu'est-ce qu'il nous fait le petit smoke? Aïe. Ah bah, il fait de la merde. Il s'est fait sécher. En plus, elle est connue cette ligne là, les gars. On va rester sur Colosse du coup, qui a fait le kill. Il sait qu'il en a mis un à terre. T'aurais juste à tirer. Mais tire au milieu là! Il est là, là, tu le vois pas ou quoi en bleu? Pourquoi il met ses smokes? J'ai pas compris pourquoi il a mis ses smokes. Bah, la clé mort, tu la mets pas à 55 secondes, Colosse. T'es con ou quoi? Et il a gaspillé ses smokes, j'ai pas compris pourquoi il les a utilisés. Allez, tu sais qu'il y en a derrière, mets des flammes à la porte. Tu mets des flammes à la porte, voilà, c'est bien, à la porte. Voilà, et tu rentres. Nice. Vous mettez combien à Colosse avec son capitaine qui a fait 2 kills quand même? Même s'il a utilisé ses smokes pour rien, j'ai pas tout vu. Mais 6, ça me paraît être honnête. Oh. C'est fini le vote. Et vous avez donné la note de 4. Ah ouais, vous êtes beaucoup plus... Finalement, je suis pas si méchant que ça. Hein. Donc, IQ qui est censé être un diam. Ok. Ok, c'est bien. Elle a été chercher l'information de la Cavera. Mais elle va perdre son drone. Ok, elle sait qu'il y a la Cavera. C'est dommage parce qu'il joue tout seul. Il reste une minute, il est toujours sur le toit et... Je lance une grenade UM. Et je rigole s'il se fait buter par la Cavera. S'il se fait buter par la Cavera, je te dis, je lui mets 0. Donc lui, il a décidé de pas du tout jouer avec ses mates. Et ça, je veux pas lui mettre une bonne note pour ça. Ouah, ça passe pas loin. Voilà. Alors Colosse, il continue à se moquer n'importe comment, quoi. Non, c'est pas mal ça. Le cut, mais le cut. Franchement, c'était de la merde. Je lui mets un 3. Mais il a pas du tout été impactant sur la game. Il est resté pendant toute la game sur le toit à chercher une Cavera qui finalement, il ne l'a pas eu. Ce qui aurait été bien s'il l'avait eu. Ok. Mais là, il l'a pas eu la Cavera. C'est fini. Et vous lui avez mis la note de 1. Ah, c'est un peu violent quand même. Assez agressif, d'une certaine manière. Il va tout de suite être percutant sur les attaquants. En tout cas, au niveau de la fenêtre, il l'entend en rappel. Ou c'est moi qui suis... Tu l'entends en rappel? Mais oui, mais elle est là en rappel. Oh non, Zexy. Oh non, Zexy. Oh non, Zexy. Oh, t'as de la chatte. Mais ne fais pas une sortie si t'es pas sûr. Parce que tu pars du principe que quand tu fais une sortie, au mieux, tu fais un kill et tu meurs. C'est... Et il a de la chance. Attention. Oh, c'est beau ça. C'est beau ça, Sexy. C'est beau ça. C'est bien, c'est bien. Il joue très bien au con. Oh, il a une bonne aim. Hein. Il a une très très bonne aim. Costaud le Sexy. J'aime bien quand il joue les Ela agressifs comme ça, qui roule un peu et tout. Dommage, dommage. Il n'y a que la sortie que j'ai pas aimé. La sortie qui est trop...
trop arme fatale pour moi, tu sais, genre on sait pas trop où on sort. Donc parce qu'il a fait une sortie de merde, je lui enlève des petits points, mais sinon je trouve qu'il a bien joué ça et là. Donnez-lui une note. C'est fini. Finish Paul. 9, vous avez mis 9. Ah. Et ben moi c'est la note que j'aurais dû mettre 9, mais comme il a fait un saut un peu bullsy que j'ai pas aimé, j'ai mis la note de 8.